Welcome to the show that focuses on African leadership and development. It's great to have you with us. This week we focus on business. We have a fascinating panel discussion coming to you from the Africa CEO Forum that was held in Geneva. We get your views on the issues, and we have Africa's top 10. You're watching the Africa Leadership Dialogues. I'm Julie Gishuru. This week on the show, we talk business in Africa, how to achieve profitable growth across the African continent in various different sectors. We have an incredible panel with us coming to you from Geneva, where the Africa CEO Forum was held. On the panel, Pierre-Antoine Balou, consulting partner at PricewaterhouseCoopers Africa, Bubka Jai, Director General of Atijari Wafa Bank Group, one of the leading African banking and finance groups headquartered in Morocco. Henri-Claude Oyema, CEO of the International Gabonese and French Bank, BGFI Bank, a Gabonese bank operating in over 10 African countries. Venkatarami Srivastan, MD Africa and the Middle East of Olam International Limited, one of the world's largest agricultural trade and processing companies. Dr. Sam Kirudu, an international industrial consultant and chairman of Cellulant, a leading African technology business founded in Kenya. And Issad Rebrab, Algerian entrepreneur and CEO of Sevital Group, a family business vested across many sectors, including construction, agribusiness, and manufacturing. Rebrab is listed by Forbes as the 9th richest man in Africa. Let's get their insights into doing business in Africa and making profits. Sam, I'll begin with you and the Cellulant story. 10 years ago, Cellulant was not in existence, and yet you've achieved incredible growth. You have been celebrated, you've received awards as a company. So what was your path for growth, and what lessons would you pass on to other African champions? Cellulant started as a new growth business, and it is driven by innovation. And when we talk about the third industrial revolution, I must say some of the innovations we have in Africa are actually belonging to the first world. And Cellulant from the beginning focused on a Pan-African strategy because we put the customer in the middle, and we understood that there are very many needs in Africa which are shared, and these needs can only be met by using the mobile. So our tagline at the beginning was life is mobile. And that time there was no mobile payment. And also it was very difficult to convince people that mobile payments will happen. It was before the days of M-Pesa, because M-Pesa is relatively new. So we started as an e-commerce business. And in the last 3 years, we focused more and more in changing the mobile payment landscape. And what I would call this change is really a disruptive change, especially for the banking sector. I'll probably go into details later on, but what we have seen is we've been able to achieve a lot of growth because, first, the two co-founders of the business, who are young people, as you must understand, this is a business for young people, were very visionary. They understood the power of mobile very early on. And what we did is that we became a very focused business, adapted good governance at an early stage, and we created credibility so that our first customers in the banking sector were international banks. Actually, the first one was Standard Chartered, and they had looked at different technology options. They looked at India, they looked at Europe, they looked at Philippines, and they looked at our technology,
and they selected our technology. And after that, all the Barclays, Standard Banks, and other banks in Africa have later adapted our technology. Thank you. Thank you for that, Sam. So focus, focus, focus. There was a vision, there was focus, there was credibility, and you built the partnerships around that. I want to come to Reb Rav and your story now, which is really of incredible growth across industries, across borders, global growth, in fact. What do you think, when you look back on your journey and your experience, were the critical factors that turned you into an African champion? And then, what next? Nous, notre stratégie, c'est choisir des créneaux où on peut avoir de très fortes valeurs ajoutées, dégager de fortes valeurs ajoutées. Mais pour pouvoir dégager de fortes valeurs ajoutées, nous investissons toujours dans la dernière technologie. Nous investissons dans la formation des femmes et des hommes. Nous avons une veille stratégique sur l'évolution des marchés des matières premières. Et nous suivons, nous nous remettons constamment en cause. Et notre stratégie, c'est d'être constamment le numéro 1 ou le numéro 2 sur le marché d'un produit donné. Le groupe Cevital s'est diversifié, s'est développé en Algérie jusqu'en l'année 2012. En 2013, nous avons décidé d'aller à l'international parce qu'on avait atteint une taille critique. On est passé de 1999 d'un chiffre d'affaires de 39 millions de dollars à 2014 à près de 4 milliards de dollars. On a multiplié notre chiffre d'affaires par 100. Et là, on a dit on doit y aller à l'international pour continuer encore à nous développer. On a essayé d'aller d'abord dans certains pays africains. J'ai été au Soudan, j'ai été au Kenya, j'ai été en Tanzanie, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai été dans plusieurs pays africains. On a essayé de concrétiser quelque chose. Au bout de 3 ans, on a constaté que ça demandait beaucoup plus de temps. Et c'est de là que nous avons décidé, en 2013, nous avons acquis 2 sociétés, dont une en France, la société Oxo, et une autre en Espagne, Oxo dans les fenêtres double vitrage, et Alas, en Espagne, c'est dans l'extrusion d'aluminium. Fascinating story, and I just want to focus on, you said technology and training as well, understanding the trends, the markets, what's going on in the markets, and then strategically investing. And when he realized that it was difficult and time-consuming to invest in Africa, going outside for the know-how and the knowledge, and then somehow transferring the benefits back to the African continent and the opportunity as well. Let me come to banking now. And this is an incredible space. Banks have been making money in Africa even in the worst of times. At the end of the year, we see banks, and most of them foreign-owned banks, taking a lot of money. And we've been asking year in, year out, what's going on here? But over the past 10 years, I think we've seen an incredible growth of African banks. One of the banks, though, that was there way before all the newcomers has been headed by Henri for the past 3 decades, and I think was established in the early 1970s. Henri, tell us about the expansion of your organization. What has fueled its growth? Nous l'avons fait parce que nous pensions à un seul élément, c'était la croissance. Et le deuxième, le client. Mais le client, il fallait le chercher là où il se trouve. Le Gabon est un petit pays, 1 500 000 habitants, et nous sommes dans une zone Afrique centrale qui fait plus d'une vingtaine de millions d'habitants. Donc notre marché n'était plus le Gabon,
mais l'Afrique centrale d'une manière générale. Et notre stratégie, c'est de se développer par cercles concentriques. D'abord le Gabon, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et aujourd'hui maintenant l'Europe. Voilà la stratégie qui nous a amené, je dirais, à nous développer. Nous pensons aujourd'hui avoir atteint l'objectif parce que nous avons une croissance de plus de 10% par an en termes de prudence bancaire, avec une rentabilité de plus de 15% sur nos fonds propres. Et nous avons une autre particularité, c'est que nous avons développé notre groupe sans pour autant faire appel à l'endettement extérieur. Nous avons des actionnaires qui sont tellement généreux et qui ne sont pas très demandeurs en termes de dividendes. Donc nous capitalisons systématiquement nos résultats. En plus, notre développement, nous l'avons fait par des créations internes. Who are these shareholders? Not too demanding. Nous They've got the long-term picture. Nous garantissons quand même à nos actionnaires une rentabilité minimum de 5% par an. Mais l'objectif pour nous, c'est d'assurer la pérennité du groupe et donc d'investir sans pour autant faire appel à l'endettement extérieur. Et en plus, deuxième élément, jusqu'à présent, notre développement a été fait par de la création par nous-mêmes et non pas par des acquisitions. Parce que nous estimons que nous pouvons mieux maîtriser notre mouvement, nous pouvons mieux maîtriser notre rythme par nos créations et moins par des acquisitions, ce qui est différent des autres groupes. Voilà ce que nous avons pu faire jusqu'à présent. Thank you so much for that. Let me come to you, Bubka, now, and your investment, very strategic investment in acquisitions across the continent and way beyond as well. Your expansion has been phenomenal. What makes you an African champion? The challenges of the next steps for an African champion, you know, whether it's talent management, whether it's managing that risk, whether it's, you know, controlling your costs. What next then for the bank? Je crois que le marché africain ne... Attendez, je vais enlever, c'est plus simple. N'est pas une spécificité en soi. Donc, quand il s'agit de stratégie de développement ou de création d'entreprises ou de création donc, de nouvelles niches de croissance, il faut raisonner d'une manière pragmatique et d'une manière, je dirais, standard, si je peux m'exprimer ainsi. Donc au niveau du groupe Tijer et Wafabank, quand il s'est agi donc, de développer ses activités à l'international, donc, nous avons, je dirais, agi d'une manière totalement réaliste. La première, c'est qu'on a défini des règles du jeu, c'est-à-dire comment nous développer. Et nous avons partagé ces règles donc, que nous avons écrites avec nos actionnaires, donc dans un cadre de gouvernance extrêmement consensuel. Deuxième élément, c'est que cette stratégie doit viser des cibles qui soient des références dans les pays où nous allons. Parce que les marchés africains, comme vous le savez, en tout cas ceux qui sont dans la région où nous nous trouvons, sont des marchés assez fragmentés. Donc unitairement, ils ne sont pas très importants. Donc il s'agit pour nous, effectivement, de chercher des marchés où on peut effectivement nous développer, mais qui présentent des possibilités de synergie et, de, et d'échange avec les autres pays. C'est de cette manière-là que par cercle concentrique, et donc progressivement, on arrive à constituer effectivement un groupe important. Et puis il y a un autre élément, c'est que dans ces stratégies de développement, dans ces politiques de transformation pour optimiser les coûts, améliorer les rendements, il faut faire confiance aux intelligences locales. Donc nous avons une politique, si vous voulez, une stratégie qui fait la part belle, donc, je dirais, à toutes les intelligences que nous rencontrons dans nos projets de développement. Et c'est comme ça que, je pense, nous avons réussi aujourd'hui à faire que les revenus du groupe Tijer et Wafabank en une dizaine d'années sont constitués de 25% donc, par les implantations en Afrique subsaharienne. Voilà. Thank you.
Thank you for that. I come last but certainly not least to Olam. And I think the story of Olam is fascinating because you've got all this wealth of knowledge and experience from outside of the continent. And then you come in, and I read some of the stories when you were coming into Africa. They said, this is a test. This is a very ambitious project. There was a lot of skepticism around your entry into Africa. If you were to speak to the skeptics today, what would you say to them? What have your greatest lessons been? And where were the challenges? What have the opportunities been as well? We probably saw, in Africa, the growth in Africa, the potential of Africa, what people are seeing 25 years back, what people are seeing today, are beginning to see today. We also ventured into a sector where, which historically controlled by the majors, the ABCD, who had history of more than 100 years, and a sector which was really going through a single-digit growth. A 2 and 3% growth is the agri sector global growth, wherein we achieved a growth of a CAGR in excess of close to 30% ever since inception. Our approach has always been in the era where the big trade houses used to sit in port city and buy, our approach has been to directly to the farmer. So we defined our business as farm gate to fork, farm to fork. So we work directly with farmers. Today we work with more than 2 million farmers in across Africa alone, and we provided them with build a sustainable business model, and we provided them with a very transparent pricing mechanism. We improved increasing their yield and provided them training in agronomy practices. So we sort of created a stickiness with them, and that helped us really to grow. They grow with us, and we grow with them. We are present in 65 countries, and we are in 44 commodities. And that also provided a unique relationship with many of our farmers. Like if you see countries like you take, say, a Nigeria or Mozambique example, a lot of farmers grow cotton and sesame. Both are cash crops. So we sort of they can just Olam. We'll buy both from them. So there is a year-round engagement with them. So this is something unique in our space of industry. And then at the customer end, we worked on a very customized solutions. So today, if you take an example like a commodity like coffee, we are present in almost all key coffee growing origins in the world, and of course in Africa. So any coffee, say a company like Nestle, if they want to have coffee, no company buys coffee from a single origin. They want either an Ethiopian coffee or a Ivorian coffee or a Brazilian coffee. We provided them an one-stop shop solution. Of course, and also solutions like vendor-managed inventory and this one. So these are some of the key ways we differentiated our business vis-a-vis the competition, and I strongly believe that that gives us the competitive edge, and also gives us why Olam has been so successful. Pierre, having heard the stories, if you were to sum up perhaps three characteristics that you think each of these companies has managed to embrace and embody, which have got them here today, what would those three be? Je pense que avant tout c'est la vision en fait. Je pense qu'il y a une vision, une ambition qui est claire. Et je pense que le premier élément qui permet finalement à ces groupes de réussir, c'est d'avoir une vision claire qui est partagée par l'ensemble des équipes, mm-hmm. les collaborateurs. Et donc ça permet finalement de dégager une vraie dynamique. Donc ça c'est vraiment un enjeu fort. Après c'est une vraie réflexion stratégique de se positionner sur les marchés, les niches pour atteindre une taille critique et se différencier finalement par rapport aux acteurs ou aller chercher la technologie en Europe pour pouvoir finalement colocaliser. Voilà, c'est de l'intelligence, je dirais, au niveau stratégique. Et puis après, je pense que c'est la culture qu'ils ont su générer au sein finalement donc de leur groupe pour avoir ce côté entrepreneur tout en étant finalement dans un cadre relativement normé et organisé. Stay with the Africa Leadership Dialogues. Donc, il y a effectivement, qu'est-ce que vous faites, vous, champion, au sein de ce CEO Africa, pour nouer des partenariats,
pour parrainer de nouvelles entreprises et pour créer d'autres petits champions qui vont se développer? Voici ma question. Constant Némalé, président de la chaîne de télévision Africa 24. Quand je regarde le titre, j'ai trois questions qui m'interpellent sur cette notion de croissance rentable. D'abord, pour monsieur le directeur général d'Atiri Wafa Bank, je voudrais savoir si la croissance, c'est la conquête de la clientèle, puisqu'on parle d'une sous-bancarisation en Afrique, ou le développement des entreprises qui vont améliorer les dépôts. Et pour M. Oyima, qui a parlé tout à l'heure de la création de nouvelles entités pour BGFI Bank, est-ce qu'on peut imaginer ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, une BGFI Bank qui se développe de manière assez admirable, s'implanter dans le Maghreb, alors qu'on voit pas mal d'entreprises du Maghreb qui arrivent à s'implanter en Afrique. Et ensuite, pour M. Redab et le monsieur qui a parlé de M-Pesa tout à l'heure, vous êtes allé à la conquête de cette société en Europe, Fagor. Vous êtes un grand industriel algérien. Est-ce que la croissance pour vous va venir du fait que la conquête de cette entreprise va vous permettre d'aller à la conquête du marché africain pour générer une croissance, ou alors c'est un investissement pur dans lequel il n'y aura pas de transfert de compétences et de vastes communicants entre l'Afrique et le reste du monde? Et la dernière question, à quand un champion africain qui devient champion mondial, puisqu'on regarde aujourd'hui que la limitation parfois de la frontière, elle est qu'au niveau de l'Afrique? Let's first start with the specific questions to your banks, then we will we'll come to the more general question and the important question of building new champions. Yes, please go ahead, Henri. En ce qui concerne la question sur le champion de notre zone vers le Maghreb, cher ami, je regrette, comme toi, de ne pas pouvoir rentrer au Maghreb, parce que l'Afrique, 54 pays, mais c'est 54 difficultés. Vous avez des zones qui sont plus accessibles, je le dis tout à fait amicalement, mon ami. Le Maghreb est très fermé à l'Afrique noire francophone. Nous avons des difficultés à rentrer dans le Maghreb. La difficulté que nous avons à rentrer au Maghreb est la même que nous avons en Europe. Au prétexte de la réglementation, elle limite le mouvement de certains pays comme le nôtre. Notre exemple à BGFI Bank, la difficulté que nous avons eue aujourd'hui, ce n'est pas d'autres pays africains, mais c'est la France qui est notre grosse difficulté aujourd'hui au nom de cette fameuse réglementation. If you could give a message right now to African leaders watching, wherever they might be, North African and maybe any other who keep their borders closed, what would your message be? Le message que l'on peut, je dirais, dire aux Africains, c'est de croire en soi-même. C'est d'avoir cette détermination, cette volonté de réussir et de se dire à l'impossible, nul n'est tenu. Okay. Thank you. Thank you for that. Pupka, let's come to you and the question posed to you. In a sense, I would ask, maybe this is a bit of a global champion. Are we maybe underplaying what we've achieved? But anyway, I shouldn't be singing your praises. Go ahead. D'accord, merci. Les éléments qui tirent la croissance du groupe sur le continent, évidemment, il y a la conquête de la clientèle. Nous observons au niveau du continent africain un taux de bancarisation qui est très faible. Nous sommes dans des taux de bancarisation qui oscillent entre parfois 7-8% jusqu'à 13-14% dans les pays les plus évolués en la matière. Et donc la conquête de la clientèle est un objectif majeur pour collecter l'épargne, d'abord, parce que ça permet effectivement par la suite de mobiliser cette épargne pour financer les entreprises. Donc il est absolument capital et c'est un enjeu vital pour nous de développer la conquête de la clientèle. Comment on s'y prend? D'une manière très simple, il faut assurer une très bonne distribution donc des produits financiers au niveau de la population. Et pour pouvoir le faire, la manière la plus simple et la plus directe, c'est construire des agences. Par rapport à la question sur des entreprises mondiales, il faut rester humble.
Restez humble. Nous avons aujourd'hui de quoi travailler sur le continent pendant encore quelques décennies avant de pouvoir dire nous allons devenir une banque mondiale. En tout cas, c'est ce que nous pensons au niveau du groupe. Il faut garder une certaine humilité, travailler sur les sujets qu'on peut maîtriser et avec lesquels donc, nos différents pays vont pouvoir s'y retrouver avant d'aller investir sur d'autres contrées où les considérations, les environnements sont complètement différents et où les risques sont quand même beaucoup plus complexes à maîtriser. Thank you. Thank you for that. Monsieur Rebrabra, you I think had a question posed there as well for you in terms of strategic growth. Si on veut exporter, si on veut ramener de la technologie dans nos pays en Afrique, il faut y aller dans les pays développés. C'est ce que nous avons fait récemment aussi en reprenant le deuxième sidérurgiste italien, la société Lucchini, qui est spécialisée dans la sidérurgie, mais des aciers spéciaux, où on peut fabriquer aujourd'hui en Afrique des roulements, des pièces détachées automobiles, des engrenages, mais sans avoir été acquérir la technologie dans ces pays, on n'aurait pas pu le faire rapidement. Et je vous dirais, c'est une opportunité qui se présente aujourd'hui à certains pays africains qui ne reviendra pas si l'Europe n'était pas en crise. Ils ne vendraient jamais leur technologie au coût que nous pouvons l'acquérir aujourd'hui. Thank you. Yes, please go ahead. The challenges, you know, the other gentleman asked about the intra-Africa challenge. So today, if you really see, probably Africa as a continent has the most trade barriers for intra-Africa trade. You know, starting from visa, you know, lots of my African friends used to say, we have 54 countries and we need 55 visas to, you know, just to travel. So that's the level of this one. I'm not saying that Asia had the same issues and still, you know, it's not perfect. But clearly when the trade starts happening, you know, that's the key thing. When the trade starts flowing and then the development, the growth, all will follow. The key is how easy to trade with in the so that's something the policymakers and the others present here had to really address that. So developing the new champions, yes. Probably I think the forum, I don't know, that's one thing is obviously the organizers to ponder, is lots of new champions, and if you really look at the small and medium scale size, I can give Olam developing at least in the last 5 years, 20 to 25 successful entrepreneurs in the operations batch we are participating, whether it is our cashew level, processing. At what level? What is the size of this? Each one will have a size to just give a number, probably a business size worth a few million dollars, say 20, 25 okay. million dollars. Okay. And it's not small. So it's not that the new champions are not being created. They are being created. Thank you. And there are forums wherein they do bring out. Thank you. That is true. I think just the call perhaps that we should have more of them engaging at this forum. But we hope the ones you've mentioned in a few years will certainly be seated at the table here at the Africa CEO Forum. Let me come to you now, Sam. And the question again, are you growing any potential new champions for Africa? I believe if you look at the numbers and you see how much money has been saved in by growing food in Nigeria, you see that already there are a lot of big businesses now in Nigeria who are considering agriculture as business. And if you aggregate those businesses, then already you are starting to make different champions. I'm only, for now, just discussing about that value chain, the agriculture. But also, we have inputs or different innovations in technology which are going to the transport sector, to the banking sector, to logistics. So all these things are transforming other companies which are going to fill in. And I think there are many, many champions who will be available for this kind of forum in the future. Thank you. Thank you so much for that. As we wind up now, I would really like each of you to give us your vision for the future.
for your organizations. I think it was Klaus Schwab who recently said that in the new world, it's not the big fish which eats the small fish, it's the fast fish which eats the slow fish. So let's look forward now. And do we agree with that? What do we see moving forward? And in particular, for your organizations, how are you positioning yourselves? I'll start right at that end, Bubka, with you, and come round this way. And then we will finish with Pierre. Your thoughts on what to expect. L'avenir est assurément prometteur. D'abord, parce que dans nos métiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un déficit de bancarisation et de financiarisation de l'économie qui est très important et qui, aujourd'hui, est un véritable défi pour toutes les institutions bancaires, mais aussi pour les pouvoirs économiques et politiques dans les différents pays d'Afrique. Donc, c'est vraiment, je dirais, très rassurant pour les investisseurs dans le domaine financier, dans le domaine bancaire. Donc il faut qu'on continue effectivement à déployer donc, nos investissements dans la région en recherchant progressivement donc, les synergies les plus créatrices de valeur. Dans notre développement, aujourd'hui nous sommes dans 13 pays en Afrique, sur le continent africain, et nous sommes présent aussi en Europe et Moyen-Orient et dans d'autres pays. Il faut chercher systématiquement les cibles et les pays cibles qui ont justement des échanges et donc des possibilités de coopération avec les différents pays. Et de cette manière-là, progressivement, on arrivera à s'étendre et peut-être atteindre un jour, mais ce serait plutôt dans une deuxième phase du développement, donc une dimension internationale, c'est-à-dire qui dépasse le continent africain. Donc on est vraiment très très confiant par rapport à ce qui est en train de se passer. Et je rejoins effectivement donc la préoccupation la personne qui a posé la question de Mauritanie et qui se posait la question pourquoi effectivement il y a toujours les mêmes entreprises qui sont présentes. D'abord parce qu'elles ont été invitées. Que la moindre des courtoisies, c'est de répondre aux invitations. Et deuxièmement, c'est une manière, effectivement, peut-être de répéter les mêmes leçons et les mêmes enseignements aux personnes présentes, de telle sorte à ce qu'elles y prennent, je dirais, goût et qu'elles suivent l'exemple. Mais ce n'est pas du tout, je dirais, dans un esprit d'accaparation, d'accaparement plutôt, de ce panel. Merci. Thank you. Thank you very much. Henri, over to you. On peut dire que l'Afrique est notre terreau. On ne peut pas se développer en dehors de l'Afrique. Nous n'avons pas découvert l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique est là depuis longtemps. Ce qu'on parle aujourd'hui de l'Afrique, continent d'avenir, l'avenir, nous l'avons découvert depuis longtemps. Il suffit maintenant que les Africains se mettent au travail et que les Africains arrêtent de penser que le bonheur viendra d'ailleurs, il viendra de nous-mêmes, et que nous sortons des slogans pour devenir des hommes plus pratiques et passer de la théorie à la mise en œuvre opérationnelle et faire des petits pas pratiques pour transformer l'essai et faire réellement en sorte que les champions qui sont là aujourd'hui ne soient pas demain partie de l'histoire, mais qu'ils créent encore d'autres champions pour que de nombreux champions puissent développer l'Afrique. Thank you. Thank you, Sri. We see a huge potential. The two key issues concerning across the globe now, one is food security and another is inclusive growth. Even the developed economies now talk about inclusive growth, and our sector really addresses both squarely and clearly, and it is proven this one that agriculture probably is the largest employment generator across economies, whether irrespective of independent of size or state of development of the economy, and it has an real direct impact on lifting people from abject poverty alleviation.
So we are extremely bullish and optimistic on our sector as well as in Africa. Thank you. Thank you. Perfectly placed for growth, you are saying, Sri. Thank you, Sam. First of all, Cellulant is geared for high growth. And I think there was a question on how much we are doing when it comes to research and development. New growth is driven by innovation. And going forward, we plan to continue innovating again and again. Because that's the only way we can keep ahead and clearly still remain a leader. Because in the mobile payment space, at the same time, to keep that leadership, we don't have a choice. So that's what one of the things we have to do. The second thing is to continue putting at the center of our focus the emerging consumer in Africa. Because the needs of that consumer to us, we must continue to give, to meet those needs more conveniently and also more cheaply. So that is the way we see ourselves going forward. Thank you so much for that. Rebra, the future? Merci. Nous, notre stratégie, c'est nous avons développé Cevital Algérie. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer Cevital Europe. Nous comptons développer aussi Cevital Afrique et Cevital Amérique. C'est nos objectifs. Nous sommes aussi en train d'investir au Brésil dans la logistique et pour assurer la sécurité alimentaire de nos pays. Parce qu'aujourd'hui, dans certains domaines, que ce soit l'Europe, que ce soit certains pays africains, une bonne partie de nos importations, par exemple le soja ou pour le maïs et pour le riz, il vient soit des États-Unis ou il vient du Brésil. Et nous avons constaté, par exemple, au Brésil, les coûts du maïs chez l'agriculteur, c'est par exemple 80-85 dollars la tonne, et la logistique pour le ramener au port, c'est 155 dollars la tonne. Alors nous avons décidé d'investir dans des plateformes logistiques des ports au Brésil et nous sommes aussi en train de prendre des concessions dans des ports en Afrique et en Europe. Fascinating. Pierre, I'm giving you the final word at the session today. We've heard the stories. We want to paint a picture of the companies or the corporates that you think will be the African champions in the years to come. What do they look like? Well, let me say that I'm very optimistic, and I think that Africa is a territory of innovation. And there are some constraints, but there are tremendous opportunities and the opportunity to build some new models, some business models which are clearly different from the ones we can observe in Europe or in the US or Asia. And I think that what we observe, for instance, in mobile payment is a very good example and very significant, as you know, I mean, creation of something which is absolutely new and which could be the new standard internationally. So this is my hope. Stay with the Africa Leadership Dialogues. What an incredible discussion. I hope you learned a lot from those men who are doing incredible things in the business sphere. My apologies that there weren't more women on that panel session. I'm very aware of the need for gender balance and we're looking into matters of that kind. If you know incredible African women we should be featuring, do send us their names and we'll look into that. Now, time for your views on the issues. This week, we asked you, how can we leverage investment opportunities on the continent to achieve prosperity? @StreakCareers says, by investing more in the education sector, hence promoting national productivity and innovation for prosperity. Je m'appelle Francis et je suis professeur de français à l'Alliance française. Tout d'abord, je pense qu'il faut investir à notre capital en ressources humaines et je dirais plutôt ressources humaines au niveau des jeunes. Nous avons une grande capital des
ressources humaines. Nous avons une grande population qui est jeune et c'est un grand potentiel que je crois on peut vraiment dont on peut vraiment profiter. Et puis deuxièmement, je dirais que nos ressources aussi sont immenses et il est temps que l'Afrique se réveille et que l'Afrique se mette au travail et profite aussi de ses ressources ressources naturelles. To join our conversation, go to our G+ page, Africa Leadership Dialogues, on Facebook, Africa Leadership Dialogues, on Twitter, @AfricaLD. And on WhatsApp, send your video comments to +254 715 816 033. And Africa's top 10 for you now. This week on Africa's top 10, we feature countries with the best strength in investor protection. This is according to the World Economic Forum. Starting us off at number 10 is Nigeria, with an index of 5.7 and is ranked at number 57 globally. Coming in at number 9 is Madagascar. The island country is ranked at number 59 globally with an index of 5.75. Positioned at number 8 is Tunisia. The North African country attained an index of 6.0 and is ranked at number 45 globally. Taking the number 7 spot is Mozambique. The South African country is ranked at number 42 globally with an index of 6.05. Slotted in at number 6 is Botswana with an index of 6.09 and ranked 35th globally. Ghana comes in at number 5. The West African state attained an index of 6.36 and is ranked 28th globally. Taking the number 4 spot is Burundi. The landlocked nation attained an index of 6.39 and is ranked at number 26 globally. Positioned at number 3 is Rwanda. Hailed as one of Africa's fastest growing states, Rwanda attained an index of 6.72 and is ranked at number 20 globally. At number 2 is Mauritius. The island state of Mauritius is ranked at 12th globally with an index of 7.7. And at number 1 this week is South Africa with an index of 8.0 and is ranked at number 10 globally. And that's Africa's top 10 this week. And now, as always, we close the show with words of wisdom. And business is never an easy area, but you have to understand the environment, the opportunities, and make a clear business case that guides you forward in your vision for success. We close with words that should remind us that it's important to know what's happening around you. It's an African proverb that goes, "By the time the fool has learned the game, the players have dispersed." It is critical to understand the opportunities around you, to know the game. Don't learn it when everybody else has dispersed. Blessings to you, and blessings to you.